Wednesday, the 4th of November 2020. Good afternoon, ladies and gentlemen. You're watching the midday bilingual newscast on the CRTV and on CRTV News. Good afternoon, Dudu Nicole. Bonjour, Diane Guessin. And you begin with the headlines. Bonjour à tous et merci de rester sur la CRTV. À la une de l'actualité ce midi, ce 4 novembre 2020 est une date fortement symbolique pour l'histoire politique du Cameroun. Le 4 novembre 1982, l'ancien président Amadou Ahidjo, de regrettée mémoire, démissionnait de la magistrature suprême pour céder place au successeur constitutionnel, son Excellence Paul Biya. Réaction des témoins de l'histoire, 38 ans après l'événement, dans le 12 heures. En posture d'invité du journal, une figure du cinéma ivoirien, Sidiki Bakaba, cinéaste et réalisateur, séjourne au Cameroun à la faveur du festival Écran Noir en cours. Vous l'entendrez en plateau sur le regard qu'il porte sur l'évolution de ce grand rendez-vous culturel à l'épreuve de la pandémie COVID-19. Et puis cap sur la région du centre, Madame, Monsieur, pour une balade dans la nature, découverte du mont Elumdem, situé dans le sud-ouest de la cité capitale du Cameroun. Nous irons à la suite de notre reporter Richard Atangana Obama vers la fin de cette édition. Voilà pour les titres. The wearing of face masks in public places will be mandatory until further notice. Mon téléphone ne sonne pas, il est éteint. C'est comment? Voilà mon téléphone, il est. Good afternoon once again, ladies and gentlemen. You're watching the midday bilingual newscast, and we open in politics. Augustin Tamba, sitting mayor of Yaoundé 7 in Fundi Division, is the new president of the United Councils and Cities of Cameroon. He defeated Aboubakar Abo, mayor of Belel from the Adamawa region, with 198 votes as against 165 in a poll that ended early this morning at the Yaoundé Conference Center. Kylian Dantifon was at the conference center all night and now reports on the highly contested election. Augustin Tamba, the new president of the United Councils and Towns of Cameroon, is the mayor of Yaoundé 7 Council since 2013. He defeated Aboubakar Abo with a score of 198 against 165. It is the victory of UCCC. I will meet my opponent so we could together direct our movements. Augustin Tamba and his team, who say democracy has thrived, among several promises said, they would make sure that the 15% of the state budget, which is meant for the decentralized entities, actually reached them. The elections which went on free, fair, and transparent, honestly shows that we are the worthy representatives of the people. The Minister of Decentralization and Local Development, George Elanga Omar, who opened and closed the 5th Electoral General Assembly of the UCCC, told the new team that they had the challenge to partner with public authorities to materialize the current decentralization process on the ground. And congratulations to Augustin Tamba, the newly elected president of the UCCC. And we continue. The 2021 Finance Bill of Cameroon is oriented towards the production sector in order to reduce the importation of agricultural products grown locally. The bill was profiled yesterday during the cabinet meeting of the month presided over by Prime Minister Joseph Dion Goute through video conferencing. The Ministers of Finance and of the Economy presented the major innovations and implementations rules of the budgetary outline. Chris Nche Atam has the details from the Star Building. The cabinet meeting, counting for the month of October, was a forum for Prime Minister Joseph Dion Goute and members of cabinet to fine-tune the orientations of the 2021 finance bill. The session,
examined highlights of the bill as well as innovations. To improve the production of some products as rice, as maize and so on, because we are still importing them and we are losing a lot of money. We put an average of 50 billion for this target. One of the innovations of this budget, there is no new tax. The cabinet meeting also dwelt on the 2021 investment budget and strategies to make it more effective. We'll be focused on infrastructure and production sectors. We have to transform our economy, and this is where we believe the wealth creation will take place, where jobs will be created. The 2021 investment budget addresses an age-old problem which has hampered the smooth execution of budgets in the past. For 2021, investment budget will only cover projects which have reached maturity level, accepted in conformity with the decree of the Prime Minister, head of government of 2018. The session also examined latest statistics on the evolution of COVID-19 in Cameroon, with the major information being that the recovery rate stands at 96% in the country. Prime Minister Joseph Diongouti has instructed the Minister of Finance to accelerate the completion of the finance bill. And we now take you over to the North region, where three major programs to boost the nation's agricultural sector are about to be launched in that part of the country. Among these are the support programs for rural development and the national strategy to enhance cashew production, which would be officially set on the rails by the Minister of Agriculture and Rural Development. On standby in Garowa is our reporter Luisa Akwanka Achato. Luisa, as we await the launch to take place in just about a couple of minutes, how would these programs enhance the nation's agriculture sector and the economic potential in a nutshell? Welcome to the regional capital, Garowa, which is about to play host to three major projects to boost the nation's agricultural sector. They are the support program for rural development, the program to accompany changes in the cotton production basin, as well as the national strategy to enhance cashew production. Now, experts opine that the cultivation or maximum cultivation of cash crops, such as cotton, cashew nut, as well as even mangoes, could greatly boost the nation's economy, but unfortunately are not produced enough as a result of factors such as insufficient soil fertility and management, as well as lack of labor force, skilled labor force, and financial resources. Now, these projects are being launched by the government with financial support from the German Development Agency, GIZ, and the European Union. As a result of this, loopholes in these domains would be filled, including training of personnel. The Minister of Agriculture and Rural Development will be launching them in a short while. Back to you in the studio. Merci, Luisa Akwanka Achato, pour cette participation de CRTV Nord. Madame, Monsieur, de votre attention, merci. Dans la suite du journal, le personnel de la SIC à l'école des performances managériales, c'est à la faveur d'un atelier de renforcement de capacités sur la faute de gestion. La formation de Yaoundé est assurée par les services du contrôle supérieur de l'État. D'autres détails dans ce reportage de Christelle Fouda. Édifier les administrateurs des entreprises publiques ou parapubliques sur la notion de malgouvernance, c'est l'objectif de la formation dispensée au personnel de la SIC par les services du contrôle supérieur de l'État. Sensibiliser les gestionnaires et les gérants des crédits publics, parce que ça tombe dans notre devoir, selon nos textes organiques de consulté, de donner un appui technique, pédagogique et un appui méthodologique. 10 jours durant, les participants seront sensibilisés, puis outillés sur la responsabilité dans la gestion et le contrôle des entreprises publiques, acquis jugé indispensable par la présidente du conseil d'administration de la SIC. En tant que la tutelle, c'était important que je sois là pour leur dire tout le soutien que je leur apporte dans cette action d'éducation, de sensibilisation, de formation, quant à leur responsabilité sur la protection du bien public. Un recyclage à point nommé pour ces administrateurs, tenu de garantir la bonne gouvernance au sein de la SIC. Autre atelier de renforcement des capacités, les experts en matière de cybersécurité unissent leurs forces pour renforcer la lutte contre la cybercriminalité. Un forum national
allant dans ce sens se tient depuis hier à Yaoundé sous l'égide de la ministre des Postes et Télécommunications. Une initiative qui traduit la volonté de tous les acteurs publics et privés à œuvrer pour l'utilisation citoyenne des réseaux sociaux. Irène Djanafouda pour les détails. Le Cameroun est plus que jamais déterminé à serrer la ceinture de sécurité pour alléger le poids des menaces qui planent sur le cyberespace. C'est ce qui justifie la tenue à Yaoundé du Forum national sur la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité. Aujourd'hui, c'est inévitable. La cybersécurité s'avère être un pas essentiel qu'il faut franchir pour réellement réussir la transition digitale et avoir une économie numérique dans notre pays. Les experts en la matière sont mis à contribution pour asseoir les bases d'une politique visant à réduire la cybercriminalité à sa plus simple expression. Chacun doit y mettre du sien. Vraiment, c'est un travail de longue haleine et il faut rester vigilant. Il faut aussi faire un travail d'anticipation. Cette autre mobilisation autour des idéaux de la cybersécurité poursuit les mêmes objectifs que la campagne en cours afin de tirer sur la corde de la sensibilisation à l'utilisation responsable des réseaux sociaux au Cameroun. And we now talk culture in this newscast. We are talking about the 24th edition of the Ecran Noir Film Festival. Cameroonian films from short to long features, web and television series, as well as documentaries, are positioning themselves to win prizes at the ongoing Ecran Noir Festival in Yaoundé. Saving Bango, The Fisherman's Diary, Enterré, and many others are attracting viewers in the projection halls at the Yaoundé Multipurpose Sports Complex. Emmanuela Mvemue now reports that out of the 94 films in competition, Cameroon features in all 9 categories. Let's have a report. Film projections light up halls at the Yaoundé Sports Complex as Cameroonians take a date with cinema. Filmmakers in the country have brought it all to the 24th edition of Ecran Noir with productions in all 9 categories. There is Saving Bango, directed by Kanya Kwai, The Fisherman Diaries, directed by Anna Scott, and Enterré, Françoise Elon. Those 3 people are really experiment directors. From short to long features, web and TV series, to documentaries, the Cameroonian mark is visible. We have received a lot of Cameroonian films. We have 3 movies in international long features. In Afrique Centrale, 5 Cameroonian movies. The impressive presence of Cameroonian films is said to be attracting film lovers to the festival ground. And so, Saving Bango, The Fisherman's Diary, Enterré, The Myth, and many others are positioning themselves to win prizes. Merci de rester sur la CRTV. Nous l'avons dit en titre, l'invité du journal nous vient du 7e art. À la faveur de l'édition 2020 du festival Ecran Noir, Sidiki Bakaba, que j'accueille à l'instant, est cinéaste et réalisateur ivoirien. J'ai l'honneur, madame, monsieur, de le recevoir sur ces plateaux. Monsieur Sidiki, bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue au Cameroun. Merci. Vous vous sentez bien au pays? Très bien. Comme en 1969, quand je suis arrivé pour la première fois ici. Alors, vous avez tenu à être au Cameroun pour ce festival Ecran Noir, malgré les temps difficiles liés à la pandémie de la COVID-19. Ça vous tenait à cœur d'être là? Oui. Pourquoi? Parce que déjà, je suis ici pour rendre un hommage à un homme qui a fait beaucoup pour l'Afrique, à travers le monde entier. Et qui fut un grand frère à moi, et qui sera aujourd'hui, on entendra ses sons aujourd'hui, qui accompagne un film mythique, L'Aventure Ambiguë, c'est Manu Dibango. Je voulais rendre, je ne pouvais pas être absent de n'être pas au Cameroun pour rendre hommage à Manu Dibango. Déjà, ça c'est une première raison. Et l'autre raison, c'est que c'est un devoir pour moi d'être ici, d'être aux côtés de Bassek Bakobio, qui tient depuis 25 ans ce festival-là. Donc oui, pandémie ou pas pandémie, je devais être au Cameroun, avec les Camerounais, avec mes frères ici aujourd'hui.
Alors, il y a eu un ajustement dans la programmation, justement, avec cette pandémie de la COVID-19. Après un report de date, le thème nouveau est COVID-19 et réinvention du cinéma africain. Alors, quel regard est-ce que vous portez sur l'évolution de ce festival Écran Noir, Monsieur Sidiké? Oui, je viens de vous dire que quand Bassek a pu programmer l'aventure ambiguë aujourd'hui, c'est quelque chose de très très fort. D'abord, c'est un des romans les plus populaires et le plus diffusé. C'est un peu notre l'équivalent du Rouge et le Noir, de Stendhal, étudié partout, ce roman. Porté à l'écran, et la musique de ce film, c'est Manu Dibango qui l'a faite, cette musique, que ceux qui viendront aujourd'hui voir le film verront. Donc il y a une évolution de ce festival, c'est que Bassek a toujours pensé au thème et a toujours été pertinent à chaque édition. Et voilà, et c'est dire aussi que l'évolution, moi j'ai tourné un très grand film comme acteur qui s'appelle Héritage perdu, et c'est à Yaoundé, lors de son festival, que je rencontre le réalisateur qui me côtoyait pourtant en France. Jamais il y a eu un projet. Et nous prenions un café ici. Il m'a dit, il faut qu'on fasse un film ensemble. 3 semaines plus tard, je recevais le scénario. On a tourné au Gabon, on a tourné au Nord Cameroun. Donc, le festival, c'est ça. Et ça ne sert à rien de faire des œuvres quand on ne les voit pas. J'ai une 40aine de films derrière moi, mais faire un film quand il n'est pas vu, ben, du coup, tout l'honneur est pour ce festival qui se bat pour que les films soient vus. Definitely, Mr. Sidiké, we know that it's very important to have a platform or a festival like this one to showcase what Africans are doing. And you didn't come all the way from Côte d'Ivoire for nothing. You have to be sharing your knowledge with young Cameroonians who are interested in cinema. And we hear that tomorrow you have something very important at the sports complex. We're talking about your master classes. What exactly will you be sharing with them? Oui, très important. J'étais ici en 2013, invité par le directeur du festival de théâtre Mbia Ambroise, et j'ai fait une formation ici pendant 3 semaines, former des jeunes comédiens. C'est ce qui me tient le plus à cœur, la transmission. Et donc, masterclass, peut-être certains d'entre eux seront là, mais je serai très content qu'ils soient là. C'est le plus grand cadeau qu'on m'offre de transmettre. Vous avez quel message à délivrer avant de vous laisser partir, M. Sidiké, pour demain? Votre masterclass, vous avez des messages à délivrer? Ben, des messages, oui, message, c'est de dire, il ne faut pas se contenter de dire, on a du talent, il faut travailler. C'est-à-dire que ce qui nous a endormis en Afrique, c'est qu'on dit on a du talent, on est les meilleurs danseurs, on est les meilleurs artistes. Du coup, on fait un peu et puis on dort. Mais pourquoi on ne cherche pas à atteindre les 90% si on se dit qu'on a du talent? Disons qu'il faut travailler. Et c'est le message, ce serait de dire, quels que soient ceux qui sont en train de travailler, qu'ils prennent l'exemple de leurs aînés qui sont Dikong et Pipa, que ce soit Gérard et Samba, qui est un peu notre Sean Connery. Pour moi, l'élégance, l'intelligence, la prestance, c'est un très très grand acteur. Et il faut prendre l'exemple de Gérard et Samba, Daniel Camois. Et je salue en même temps Patou Dem, Jean Rock. Parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, il ne suffit pas de faire des films, il faut qu'ils soient vus. Patou Dem, comme Bassek, c'est des gens qui se battent pour que les films soient vus. Il a sacrifié peut-être sa carrière de réalisateur. Thank you so much. We know that you have a lot to share with our viewers, but we are inviting them to meet you tomorrow. Bakaba, merci d'être passé sur ce plateau. Je précise que c'était l'invité du 12h. Il répondait en qualité de cinéaste et réalisateur ivoirien. Il séjourne au Cameroun à la faveur du festival Écran Noir. Vous restez
avec nous. Dans la suite du journal, Madame, Monsieur, l'hôpital de Yaoundé, désormais doté d'un fibroscope bronchique, apparaît remis hier en présence du directeur de cet hôpital. Le professeur Joseph-Marie Mendimi permettra donc aux patients des centres hospitaliers publics de bénéficier d'un examen des voies respiratoires rapide et à moindre coût. Notre reporter, Laetitia Onana, témoin de l'événement. Ce fibroscope bronchique de fabrication récente améliore la prise en charge des patients souffrant de pathologies respiratoires. L'appareil, couplé à une caméra vidéo qui retransmet instantanément sur écran les images d'organes examinés, enrichit le plateau technique de l'hôpital Jameau de Yaoundé. Avec cet appareil, on aura la possibilité non seulement d'aller voir en intérieur du poumon qu'est-ce qui se passe, à l'intérieur des bronches qu'est-ce qui se passe, et avec cet appareil, on pourra également faire un prélèvement tissulaire pour une analyse histopathologique. C'est un appareil quand même important et coûteux. Mais le plus important, ce n'est pas le coût, c'est le geste que Denk a fait pour les patients indigents. En recevant symboliquement cette colonne de vidéo-endoscopie, le directeur de l'hôpital Jameau a magnifié le partenariat public-privé entre la structure dont il a la charge et la branche camerounaise du laboratoire allemand Denk Pharma. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins un mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Thanks for watching the Midday Bilingual Newscast. And we now talk history in this newscast with this very important date for Cameroonians. November 4, 1982, Cameroonians nationwide remained glued to their radio sets as former President Ahmadou Ahidjo announced his resignation as head of state at the age of 58, a decision that changed the course of history. 38 years on, the day still rekindles memories, which our reporter Cynthia Saptala went asking a few city dwellers in Yaoundé who witnessed that moment. When Ahmadou Ahidjo resigned, I was a student. When I got the news, I was a bit afraid, but I was a bit, you know, consoled, because at the same time, he handed over to somebody. It was a peaceful transition. I have realized that President Ahmadou Ahidjo made a good choice, the best one for Cameroonians, for having chosen President Paul Biya. And that was just one reaction there that we could get from a city dweller here in Yaoundé. And it's with that we call it quit on this edition of the Midday Bilingual Newscast. Tomorrow, Dudu, Nicole and myself will be back to serve you at exactly 12 and of course p.m. Nicole, Dudu, to have a wonderful day. Merci, Diane Gasser. À demain, 12h. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi. In this connection, we should avoid stigmatizing. TV News, ici, toute l'info.